Bienvenue de nouveau au concours de talents du Dr Spooky. Avec votre très cher jury, les implacables mignons. À présent, le Dr Spooky se mettra derrière ce rideau et il se transformera en une personne complètement différente. C'est Spider-Man. Enfin, plutôt une caricature de Spider-Man. Regardez-moi ces poses. Quelle classe! Quel mal de dos! Mince, ça ne plaît pas beaucoup aux jurés. Je vous avais dit qu'ils étaient sévères. Quel sera le prochain tour? Le cow-boy le plus redouté de l'Ouest. Il a lancé son assaut sur un des membres du jury. Ça fera peut-être baisser sa note. Effectivement, on dirait que ça ne les a pas impressionnés. Retourne t'asseoir, cow-boy. Le docteur Spooky cherche un moyen d'impressionner le jury. Mais il n'a rien trouvé. Quoi? 3-10? Les mignons t'adorent tel que tu es. Aha! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Un jour spécial pour les amoureux. Pas pour le docteur Spooky, en tout cas. Pas une lettre, pas une carte postale. Pas un seul petit mot. Pauvre docteur. Mais que se passe-t-il au sanctuaire de l'équipe Super Saut? Waouh! Les boîtes aux lettres sont toutes pleines! Oh non! Quand le Dr Spooky a une idée, ça ne me dit rien qui vaille. Il montre Cupidon du doigt. Ça sent le complot. Oh oh! Le Dr Spooky va dans son laboratoire. Quel beau cœur! C'est si beau, l'amour, c'est... Docteur Spooky, arrête de l'écraser comme ça! Waouh! Effectivement, ce garçon déteste vraiment l'amour. C'est un poison diabolique! Et maintenant... Il a multiplié les flèches. Et il a appelé l'un de ses spookers. Mmh.
Que se passe-t-il derrière ce rideau? Tiens, tiens, regardez ce que nous avons là. C'est un Spooker Cupidon. Regardez-moi cette perruque. C'était donc ça le plan. Lancer des flèches de l'inimitié. Et voilà, le Spooker est parti pour en finir avec la paix du sanctuaire. Il vise et... Touché. Maintenant, Monkey est en colère et ne veut pas renvoyer la balle à Cathy. La pauvre Cathy ne comprend rien. Et maintenant, elle est en colère aussi. Non, les amis, ne vous battez pas. Ce Dr. Spooky, il est vraiment méchant et envieux. Bien plus que vous ne le pensez. Et c'est reparti. Sa prochaine cible, c'est Kit. Il a l'air très en colère. Et maintenant, c'est un raccoon. Attention, raton laveur vorace. Quel bazar. Et Spooky s'en réjouit. Quelle méchanceté. Granny, vite, il faut que tu vois ça. Incroyable, n'est-ce pas? Attention, grand-mère Granny, le Spooker vise très bien. Flèche attrapée. Allons à la cuisine pour l'examiner. Tiens, tiens, il y a des particules du mal dedans. Mais avec la recette de grand-mère, elles vont sûrement disparaître. Un peu d'essence de coriandre. Une pincée de gland d'il y a 1000 ans. Un filet de jus d'orange douce. Et l'ingrédient secret, énormément d'amour. On agite bien avec la baguette magique. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un costume de fée. La magie de grand-mère les rend de nouveau amis. J'adore les câlins. C'est agréable. Tu vas encore perdre, Dr. Spooky. Ça suffit, Monkey et Cathy. Arrêtez de vous disputer. C'est bien mieux comme ça. Cette amitié est indestructible. On ne peut rien contre ta magie, grand-mère. Amis de Super Zoo, le pouvoir et l'amour sont à nous. Quoi? Il y a encore des flèches? Mais Cathy l'a bloqué. Et maintenant, le Spooker prend ses jambes à son cou. Mais grand-mère l'a touché avec sa potion d'amour. Docteur Spooky, on a une surprise pour toi. Ton Spooker n'a pas pu résister. Super attaque d'amour. Allez, Docteur Spooky, abandonne-toi à ton charmant Spooker. Ah.
Good.